Je m'appelle Okuchiko. Je suis en vie et en santé. Je n'étais pas endormie. Malgré cela, des bandits sont entrés et ils ont emporté avec eux tout mon trésor. Ils ont emporté mon honneur de femme, mon joyeux. J'ai dû être confrontée à la noirceur de ce monde. Toute perdue dans le néant et sans le moindre espoir. Les moqueries et la honte me hantaient comme un esprit de l'ombre. Oh. Oh. Suis-je en train de perdre la tête? Je n'arrive pas à percevoir le moindre bruit. La vie est tellement étrange et remplie de toutes sortes de morts. Je me vois dans une autre vie. Une vie dans laquelle je suis considérée comme une vraie femme. Le mal est fait et il n'y a malheureusement pas de retour en arrière. Pourrais-je encore une nouvelle fois vivre? Pourrais-je revivre?
Ok, mais je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai pas fait. Ok, garde l'écoute. Ah. Ok, c'est ce qu'on va faire, je te rappelle plus tard. Très bien, je te rappelle s'il te plaît. Aussi vite? Oh mon Dieu! J'ai dû demander à une amie pour qu'elle me l'apporte, donc je n'ai pas eu besoin d'aller au marché. En tant que grande styliste internationale. Eh oui. Et t'as de nombreux contacts à ta disposition. Eh oui. Oh, mon Dieu, c'est très beau. Je t'assure. C'est vraiment magnifique. Mais... qu'est-ce qui ne va pas? Ce tissu doit être très coûteux. Hey! Ah, cette fille. Kozara, ne vaux-tu pas de l'or? Hmm? Tu es ma sœur unique et c'est ton mariage, donc je ne prendrai rien à la légère, rien du tout. Merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime également. Et maman va beaucoup l'adorer. Ah, eh bien... c'est elle-même qui l'a choisi. Tu vois, je le savais. Waouh. Elle a fait. Je t'assure. Maintenant, Sorette, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appeler tes amis pour qu'elles commencent à acheter. Mes amis? Oui, non. Kozara, est-ce que t'as pas d'amis? Tu dois d'abord appeler tes amis quand elles auront fini d'acheter. Mes amis achèteront par la suite. C'est ton mariage. Grande sœur, mes deux amis sont mes amis. Aïe! Oh Dieu, cette fille! T'en fais pas, le jour de ton mariage, je te nourrirai avec du gâteau. Merci beaucoup. Merci. Je t'aime également. C'est tellement beau. Aïe. Oui, c'est magnifique. J'aime ma sœur et je sais qu'elle aussi est mère. Mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi? Pourquoi a-t-il fallu que son cœur soit pris entre mes mains? Je suis désolée.
Ebuka. Arinze. Je vous ai tous les deux invités aujourd'hui parce que il y a quelque chose de très important dont j'aimerais vous parler. Je sais que vous êtes très occupés, mais vous m'avez honoré en venant ici aujourd'hui. Bien, voyez-vous, la raison pour laquelle je vous... Maman, maman, pourrais-tu s'il te plaît aller droit au but? Parce que je me sens pas du tout à l'aise ici. La ferme. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, Arinze, s'il te plaît. Ça va. D'accord, c'est bon. Non, non, non. Laisse-le vomir tout ce qu'il a dans le ventre. Je te montrerai comment est-ce qu'on traite des pauvres gars comme toi. Comment oses-tu me traiter de tous les noms dans ma propre maison? Je te traiterai de tous les noms. Pour qu'est-ce que tu te prends? Où je veux? S'il vous plaît. Quand je le veux. Sors de chez moi. S'il vous plaît, jeune homme, vous devez... Désolé, maman, mais cet idiot a parti de chez moi maintenant. Va-t'en. Moi? J'ai dit de partir de chez moi! Et si je ne le fais pas, que vas-tu faire? Et pourquoi? Ne me fais pas me répéter. Sors de chez moi tout de suite! Ebuka, s'il te plaît. Arinze. Je vais te traîner par terre. Vas-y, essaie! Et tu sauras pourquoi on m'appelle Scorpion aux États-Unis. Je vais te rabrouer. Peu importe comment on t'appelle, c'est dans ta poche. Alors approche. On t'appelle Scorpion en Amérique. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Mais, non, viens, viens. Mais je croyais que t'étais un homme. S'il te plaît, vas-y doucement, je suis désolée. S'il te plaît, attends, tu me fais mal. S'il te plaît, tu me fais mal. Putain, espèce de garce, c'est ce que tu es. Et je te ferai encore plus de mal. Avance. Si jamais tu oses. Est-ce que ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma maman est en train de pleurer. Ne t'en fais pas. Tout ira bien pour maman, ok? Mouah. Tantine est aussi en train de pleurer. Que vais-je te dire? Tu vois, parfois, les gens pleurent pour décharger leur cœur. Quand ils ont des trucs qui les dérangent et qu'ils ne savent pas comment les résoudre. Mais ne t'en fais pas. Ta tante et ta maman iront toutes les deux bien, d'accord? D'accord, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je te donne deux options. Donc, c'est soit on va sur ta tablette, ou on pourrait aller à la cuisine chercher quelques fruits. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, essaie de me pardonner. Tu dis que je t'ai désolée. S'il te plaît. Arisez, la ferme! La ferme! T'es désolée, t'es désolée, t'es désolée! Est-ce que c'est cela qui va tout régler? En ce moment, tes excuses ne valent rien à mes yeux. Arisez, Arisez, comment vais-je commencer à expliquer au monde ce que tu as fait? Ok, d'accord, mettons le monde en dehors de ça. Comment vais-je expliquer cela à ces enfants quand ils viendront au monde? Comment est-ce que je vais appeler ces bébés? Comment est-ce que ces bébés vont appeler les miens? Cousin? Neveu? Nièce? Ou alors frère, sœur, comment? Mais Arisé, explique-moi comment. Comment devrais-je les appeler? Je ne sais pas ce qui m'a pris. On parle de... Tout s'est arrivé en moins de 2 minutes et quand nous avons repris nos esprits, nous avons arrêté. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Crois-moi. S'il te plaît. Arisé, est-ce que tu t'entends parler? Dis-moi, est-ce que tu t'entends très bien parler? C'est arrivé au trop 2 minutes.
Puis nous avons repris nos esprits et nous nous sommes arrêtés. Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? 2 minutes. C'est arrivé en moins de 2 minutes, n'est-ce pas? Bien. Aux dernières nouvelles. Ce qui est arrivé en moins de 2 minutes te coûte tes 10 années de mariage. Ce qui est arrivé en moins de 2 minutes te coûte ta sueur et ton investissement pendant 10 années de mariage. Ce qui est arrivé en moins de 2 minutes est en train de détruire tout ce que nous avons réalisé en 10 années de mariage à Rinze. Bébé, quoi qu'il en soit, c'est une compte de ton état, notre futur bébé, s'il te plaît. Arinze, la ferme! En fait, dégage. Arinze, dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Arinze, dégage! Hé, attends, viens. Viens là, pas aussi facilement. Viens! Assieds-toi. Que veux-tu que je fasse? Qu'on me traîne battu comme un enfant? Je suis l'homme de la maison. Oui, je sais que j'ai commis la plus grande. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai dit que j'étais désolé. Physiquement, mentalement, j'en ai marre. Arinze, t'assure, je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé. Je veux que tu me donnes tous les détails. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Je ne veux pas de mensonges. Je veux la vérité et rien que la vérité. Et ceci dans les moindres détails. Bébé, ce que tu me demandes est assez difficile pour moi de t'expliquer. Cela va t'apporter de la peine, du chagrin. Commence à parler. Mais tant que la ferme et commence à parler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La façon dont tu prends cette situation est horrible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu fasses un miracle. Ramène-nous dans notre vie d'avant. Mais tu sais que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Oh, c'est ça le problème. Écoute, je ne peux pas comprendre le fait que la femme que je veux emmener devant l'autel soit enceinte d'un autre homme. Et pas qu'un simple homme, mais le mari de ta grande sœur. Je sais que je t'ai fait du tort. Je sais que j'ai fait du tort à ma famille. Je sais aussi que j'ai joué avec l'héritage de mon père. Est-ce que ma sœur pourrait encore un jour m'accepter? Non, du tout. Elle ne te pardonnera jamais. Et ne t'avise surtout pas de t'approcher d'elle. Parce que si seulement j'avais été à sa place, je t'aurais tué et t'écorché vif. Tu m'aurais tué? Oui. Je pensais que tu m'aimais. T'aimais? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu m'as giflé. Et je le ferai encore. Tu viens juste de me gifler. Tu m'as giflé. T'as le courage de me gifler? Tu oses me gifler? Tu dois rentrer, d'accord? Ta patronne va te rappeler. Ah, je ne comprends pas, ma. C'est moi, Kachi, la femme de ménage. Je te connais, Kachi. Mais vois-tu, nous avons quelques problèmes de famille que nous devons régler et je ne pense pas que nous aurons besoin de toi, donc tu peux rentrer. Rentre chez ta mère. On t'appellera quand on aura besoin de toi. D'accord, ma. Mais est-ce que je peux au moins voir Eboubé et sa sœur? Pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Ne t'en fais pas, tu les verras quand tu reviendras. D'accord, ma. Il faut que j'y aille. D'accord. Merci, ma. Qui est-ce que tu cherches? Mamie, c'est tantine Kachi qui vient de partir. Oui, c'était tante Kachi. Assieds-toi. Ne t'en fais pas. Elle sera bientôt là, ok? D'accord, mamie. Vous savez,
la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée dans la vie était d'épouser votre père. C'était un homme bien. Il était pacifique et très aimant. Il était mon monde. Il prenait soin de moi. Il prenait soin de nous tous. Même si vous n'étiez que des enfants. Mais vous savez, les bonnes choses ne durent jamais. Et le bon Dieu l'a appelé. Mais il y a quelque chose qu'il a laissé derrière lui. Il a laissé un héritage. Un héritage que nous devons tous perpétuer. Dans nos vies au quotidien et dans nos vies quand nous nous sommes mariés. Plusieurs prétendants sont venus, mais je ne leur ai pas donné une chance parce que je ne voulais que personne ne se mette entre mes jolies filles et moi. Et je jure devant vous deux que cet héritage que votre père nous a laissé, l'amour, l'unité et la fraternité seront notre force dans cette famille. Vous devez apprendre à vous aimer l'un l'autre. Ne laissez personne ni quoi que ce soit se mettre entre vous deux. Oui, maman. Ces enfants sont tes enfants. Et tes enfants sans ses enfants. Je veux que vous soyez fortes. Je veux que ce lien d'amour et de fraternité soit fort entre vous deux. Je vous aime. Je t'aime, maman. Mamie, est-ce que ça va? Oui. Mamie va bien. D'accord. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Bébé. Déjà prête? Bonjour, mon amour. Bonjour. Oui, je le suis. Je dois me rendre au bureau à temps. J'ai un tas de clients à satisfaire aujourd'hui, donc j'ai la corde au cou. D'accord. Mais avant que tu ne partes, j'aimerais que tu t'occupes de moi. Bébé, non. S'il te plaît, tu sais à quel point le sexe le matin est chérie, bon. Chérie, je sais ce que tu veux, mais je n'en ai pas envie. Je dois me rendre au bureau à temps, s'il te plaît. Bébé, tu dois me le donner. Tu sais à quel point j'aime ça. Pourquoi veux-tu que bébé, je te supplie? Bébé, je vais décevoir mes clients si je le fais maintenant. Ne commence pas. Mon amour, désolé, mais je dois partir. Bébé, tu dois apprendre à m'accorder du temps. Tu es une femme. Tu sais comme j'aime le sexe. Est-ce que je dois te rappeler ça à chaque minute? Bébé... Ça me fait plaisir quand tu en demandes. Et non comme tu le fais. S'il te plaît. Bébé, vas-tu encore me donner des leçons très tôt le matin? Tes fameuses leçons sur le sexe. Je t'en prie, chérie, la journée a tellement bien commencé, ne la gâchons pas, s'il te plaît. T'as déjà gâché la mienne. Ah. Tu refuses de me donner même mon anniversaire. Et tu attends que je sois heureux? Tu te rends compte que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Bébé, tous les jours, c'est ton anniversaire. Ok, d'accord, me désolé, pas, s'il te désolé. Plaît. Ça. Bébé, je suis désolée. Ok, joyeux anniversaire. Je peux y aller, pas de soucis. Ok. Mon amour, je suis désolée, ok? Ce n'est pas si grave, d'accord?
D'accord, je te promets que à mon retour, je me rattraperai bien. Hein? Je te donnerai comme tu veux, où tu veux, dans la position que tu veux. Tu sais de quoi je suis capable. Aussi chaude et bouillante. Allez, souris. Je suis désolée, je dois y aller. Hein? Je t'aime, on se revoit à mon retour. Hey, Boubé, assure-toi de m'attendre aujourd'hui à l'école, ok? D'accord. Et sois attentif en classe. Ok. Maman est là, allons-y. Coucou, bonjour, mon chou. Bonjour. Bonjour, mon petit bébé. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Comment était la nuit? Très bien. T'as bien dormi? Oui. As-tu mangé? Oui, maman. Et qu'est-ce que tu as mangé? Tantine Kashi m'a donné des frites de pommes et de l'omelette. Est-ce que c'est vrai? Et tu as dit merci à tantine? Oui, maman. Donc, t'es déjà paré pour l'école, c'est ça? Oui. Ça, c'est mon beau gosse. Ok, laisse-moi prendre ça. Et assure-toi de bien faire ce que tu as à faire. Ok. Puis fais le ménage. Ok. Et viens au magasin quand tu auras fini, mais dépêche-toi. Tu sais que je dois finir ces habits aujourd'hui. N'oublie surtout pas d'apporter ce que je t'ai demandé. N'oublie pas. Ok? T'as bien compris? À tout à l'heure. On y va, mon bébé. Pose son sac dans la voiture. Ok, bébé. Recule. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite encore plus d'années, je prie que tous les désirs de ton cœur soient accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne m'attendais pas à ça. Quoi? Je veux dire quelqu'un qui honore ce jour. Ça me va droit au cœur. Allez, il n'y a pas de quoi. Alors maintenant, aujourd'hui c'est ton anniversaire, je suis disponible et à ton service. Peu importe ce que tu veux que je fasse, je le ferai pour toi. Et que ce soit te cuisiner un plat spécial, et que ce soit une boisson alcoolisée, et je pourrais même faire ton linge. Alors lequel? Je crois que je veux boire un coup. Ah, de la boisson. Et de la musique. Eh bien. Et tout de suite, ou tu vas d'abord te rafraîchir? Genre, maintenant. Maintenant. Allez, voilà. Prends un verre. Ah, c'est gentil. Et merci beaucoup. Voyons, ce n'est rien. Je te sers un verre. Alors, on trinque à la belle vie et à l'accomplissement des désirs de ton cœur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu as dit que tu voulais de la musique, n'est-ce pas? Ouais. Super, je vais arranger ça.
Lord John be here, oh, God bless you. As we gather to celebrate you, we know we'll gather like to cry with you. God bless the day you came alive, oh, look at me. Here I was. Je suis désolé, mon amour. Tu me punis et tu te fais encore plus mal. Arin, c'était toi. Et continue. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce que j'ai fait était mal. Et je m'en veux pour ça. J'ai hais le jour où cela est arrivé. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire pour te faire comprendre que ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce que... S'il te plaît, je suis désolée. Trouve juste une place dans ton cœur pour me pardonner. Salut, bébé. Mon bébé d'amour. Comment tu vas? S'il te plaît. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé, qu'est-ce qui... Attends, ne me dis pas que t'es encore fâché pour ce qui s'est passé le matin. Mon amour! Ah, où est cette télécommande? Je n'ai jamais planifié aller avec ta sœur. Mais quand t'es partie, je voulais juste être heureux. Et à l'instant T, nous avons réalisé notre erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais quoi? Je suis... Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu sais, la vie m'a appris une chose.
Les défis de la vie ne nous abattent pas. Mais c'est la façon dont nous gérons ces défis qui nous ramène au sol. Et elle ne fait pas que ça. Elle nous tire vers la tombe. J'appelle ta sœur, mais elle ne décroche pas. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ce ne sont pas mes affaires. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mais que fais-tu ici? Désolée, madame. J'ai cru que c'était ma patronne qui sortait. Oh, vraiment? Oui, madame. Eh bien, monte, je vais te déposer. Ok, merci. Tu mets tant de temps. Ah ah! Que s'est-il passé? On s'est battu. C'est lui qui t'a fait ça? Où est-il? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pourquoi veux-tu me voir? Que veux-tu? Que veux-tu? Discuter avec vous. C'est ce que je veux. Oh, de la prédication. La même prédication que tu as faite à ta pute de fille. Qui a refusé de comprendre. C'est de ça que tu veux qu'on parle, hein? Écoute, ne t'adresse pas à ma mère de la sorte. Ne lui parle pas comme ça et fais gaffe, je ne suis pas une pute. Hey, je suis désolé. Je pourrais même me mettre à genoux pour toi, sale garce. Comment oses-tu traiter ma fille de garce? Elle n'est pas une garce. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh! Regarde-toi. Tu la supportes. J'ai un cœur d'amour. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui tolère. Un cœur prêt à donner une seconde chance. Et non un cœur qui condamne. D'accord, je suis désolé. Mais écoutez-moi très bien avant que je n'ouvre les yeux. Je voudrais que toutes les deux foutent le camp de chez moi. Moi, je n'irai nulle part. Tu n'iras nulle part? Je vais te broyer si tu ne sors pas de chez moi. S'il te plaît, va prendre tes affaires. Un. Il est en colère, allons-y. Allons-y, va prendre tes affaires. Deux. Attends. Dégagez. Allez-vous-en. Que je vous revoie encore ici. Je ne sais pas où nous mènera tout ceci. S'il te plaît, cesse de stresser. Je pense que je ne pardonnerai jamais de t'avoir mêlé à cette histoire. Puis-je te poser une question? Vas-y. Où est-ce que vous l'avez fait? Où exactement l'avez-vous fait? Où est-ce que tu as couché avec ma sœur? Arinze, parle-moi. J'aimerais savoir où est-ce que tu as couché avec ma sœur? Était-ce sur ce canapé? Était-ce sur celui-là? Oh, c'était sur ces deux-là. Arinze, où est-ce que tu as couché avec ma sœur? Où est-ce que tu as couché avec elle? S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît.
Le bon Dieu, pourquoi ne veux-tu pas aller de l'avant et faire ce qui pourra te rendre heureuse? Tu vois cette question que tu viens de me poser? Je ne crois pas que je vais te répondre. Je ça me rend fou tout ça. Ce n'est pas facile pour moi. Essaye de comprendre. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Allez, dis-moi. Si je peux faire quoi que ce soit pour te redonner du sourire, s'il te plaît, dis-moi. Tu veux que je fasse mes affaires et que je parte? C'est ce que tu veux? Tu veux savoir ce que tu peux faire pour me rendre heureuse, Arinze? Arinze Tugu, je t'en prie, réveille-moi de ce cauchemar. Cela me rendra heureuse. Ramène-nous la paix qui régnait dans cette maison. Cela me rendrait heureuse. Ramène-moi la lumière qui m'a été enlevée. Arinze, tu m'as rendu sombre! Comment voudrais-tu que je vive en sachant que tu as couché avec ma sœur unique? Et tu n'as pas que couché avec elle. Arinze, tu l'as mise enceinte. Tu as mis ta séance dans ses... Bibi... Lâche-moi! S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Eboka, vas-y doucement. Vas-y doucement. Ah, mais je t'appelle. Ne décroche pas tes appels, pourquoi? C'est quoi le problème? Désolé, frangin. Alors, dis-moi, pourquoi tu cherches à m'appeler? Pour te livrer ce paquet, bien sûr. Ton costume. Mon costume. Il y aura plus de mariage. Quoi? De quoi tu parles? Il parle de quoi, là? Tu l'as entendu? Thank you.
Quoi, tu me barres la route? Tu me quoi ton problème? Pourquoi je te barre la route? Oui. Oh, merde. Tu es cinglé, espèce de crétin. Tu oses me poser la question? Je te préfère le portrait, espèce d'idiot. Tu oses? Waouh, celle-ci est magnifique. Ah, la couleur est si belle, n'est-ce pas? Oui, vous dites vrai, elle est vraiment magnifique. Oh mon Dieu, c'est tellement magnifique. Oui. Comment tu penses que cette robe sera sur moi? Eh bien, elle est belle. Mais la question est de savoir si elle te plaît. Parce que tu sais, tes désirs sont des ordres. Et tes désirs sont des autres bébés. Quel genre de français c'est que ça? À présent, tu parles du Swahili. Attends, on t'a dit que j'ai vécu à Londres. J'étais aux États-Unis, moi. Attends, je ne parle pas un seul mot du Swahili. Ok, c'est bon. Nous n'allons pas nous disputer pour ça. Faisons-le ici. Tu sais, quand on se dispute, c'est mieux là-dedans. Tu es malin. Ouais, je sais. Merci. Merci. Ifonania. Oui, oncle. Écoute, va te changer. Nous devons aller à la banque avant qu'elle ne ferme. D'accord, mon oncle. D'accord. Ok. Ifonania est une bonne fille. Ne suis-je pas un bon mec? Écoute, tu sais, c'est le même son qui coule dans nos veines. Je kiffe vraiment cette petite. Ok, donc tu m'aimes. Non, tu m'aimes. Et elle, tu la kiffes. Et je kiffe Ifonania. C'est ce que j'aime chez toi. Tu te comportes enfin. Laisse-moi te donner un bon baiser. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu caches? Il n'y a personne d'autre ici, il n'y a que toi et moi. Mais tu sais que je suis habituée à ça. Et très bien. Dans ce cas, je vais juste te faire un gros câlin. Tu l'attends comme d'habitude, c'est ça? Je suppose qu'à cet instant-là, ce sera sur ce canapé.
Serait, je suis désolée. Je sais que cela ne sera pas assez pour te réconforter. Mais si je pouvais trouver un moyen de le faire, je l'aurais fait à l'instant. Ma chérie, si désolée pouvait résoudre tous les problèmes, nous n'aurions plus besoin des applicateurs de loi, encore moins des prisons. Tu ne peux pas faire les choses comme cela t'enchante et t'enterrer juste parce que tu as dit désolé. Serait-ce, s'il te plaît. Non, même pas de N'essaye même plus ces bêtises. Espèce d'idiote. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce, je suis désolée, vraiment désolée. He never know we all. La 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 la. Cet idiot a couché avec ma femme. Alors que nous étions sur le point de faire le mariage traditionnel. Mais le mec a plutôt profité de cela pour coucher avec elle. Je sais ce que tu ressens, mon frère. Mais tu dois y aller doucement. C'est faux! C'est faux! J'ai perdu ma femme. J'ai perdu une très longue relation. J'ai tout perdu. Je te comprends, mais écoute, la façon dont tu prends les choses pourrait te faire du mal et ça ne vaut pas ta vie. Mais avance pour l'amour de Dieu. Ou bien... Je ne comprends toujours pas. Elle est enceinte de lui. Quoi? Merde. Ce n'est pas vrai, ça. Tu sais quoi? Il y a toujours une solution. Qu'elle avorte. Qu'elle avorte le bébé, tu m'as bien entendu. Qu'elle avorte? Oui. Qu'elle avorte. L'avortement est la dernière solution. Je ne pourrais prendre part à ça. C'est contre ma foi et ma religion. C'est de la pure folie. C'est un acte d'immoralité et une très grave erreur. Et le bébé est également humain. Du sang. Ah, non. Nous ne pouvons pas salir nos mains avec du sang. Oh mon Dieu, je remets cette situation entre tes mains. Donne-moi la même sagesse que celle de Salomon, la sagesse pour sortir de cette situation.
Oh, désolé, désolé. Ça va aller. Vas-y doucement, s'il te plaît. Ah. Tu sais, j'ai toujours prié pour que ma fille et toi ayez un foyer paisible et durable, tel que je l'ai eu avec mon mari. Tu me rappelles beaucoup mon défunt mari. Il était doux et gentil. Je ne comprends toujours pas ce qui t'a vraiment pris. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Maman, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. Oh, s'il te plaît, doucement. Désolée. Ce fameux jour, j'étais vide. Seul, dévasté et inquiet. Je me suis réveillé avec l'envie de ressentir la chaleur de ma femme. Ce que je n'ai jamais eu. J'avais besoin de tendresse. J'avais besoin d'amour. Vous savez, ce sont des moments du matin qui s'accompagnent des « je t'aime aussi », des baisers, des câlins qui rafraîchissent la vie. Et j'avais besoin d'eau pour calmer mes nerfs. Dans le processus de trouver cette eau, je me suis mis dans ce pétrin. S'il vous plaît, doucement. Bébé, tu vas me manquer. Ouais. Je prie que Dieu te protège. Je te remercie, mon sucre d'orge. C'est bon. Comme tu pars en voyage, que le Tout-Puissant te protège. Mais tu vas vraiment me manquer. Rester seule dans cette maison, j'ignore comment surmonter ça. Mais je croyais qu'on avait réglé ce problème. Réglé quoi? Que tu iras rester chez ta sœur jusqu'à mon retour. Bébé, rester chez ma sœur pendant 2 mois. 2 bons mois pendant ton absence. Comment vais-je faire ça? Ok, ok. Je te fais la promesse de rentrer sain et sauf. Crois-moi, je rentrerai en entier juste pour toi. Tu le sais. Tu vas rentrer en entier pour moi? Ouais. Ok. Et je te promets que je vais rester là à t'attendre. Super. Je ne vais pas foutre la pagaille. Merci. Tu sais que tu es mignon. Oui. Oui, bien sûr. Et t'en es sûr? Oui, oui, oui. Ouais. Embrasse-moi. Oui. Hey, ça va, on se calme. Tu ne veux pas que je sois en vie? Tu veux finir avec ma bouche? T'inquiète, on y va. Allons, attends, allons. Prends ton sac. Attends que je porte ma casquette. Hey Boka, autant te dire tout de suite, ça me torture de te voir si anxieux à cause de ton ancienne relation amoureuse. Il y a quelque chose que je voudrais que tu saches. Si tu meurs à force de trop réfléchir, tu seras enterré et oublié en 1 an. Et cette femme dont nous sommes en train de parler se mettra avec un autre homme que toi.
Je comprends ce que tu ressens, mais tu n'as pas à être aussi anxieux à cause de ça. Tu as toute la vie devant toi. Frangin, il y a beaucoup de poissons dans l'océan. Et je comprends que tu te soucies de ce que diront les gens. Jusqu'à quel point elles vont aller, combien tu as dépensé, et ce genre de truc. Mais peu importe. Ce qui importe maintenant, c'est ton bonheur. Eboka, tu te dois juste de rester fort. C'est ce qui fait de nous des hommes. Eboka, tu l'as entendu. Mets une croix sur tout ça. Tu dois avancer. Je vous ai entendu. J'ai essayé de tout laisser tomber. Mais vous savez, je la porte encore dans mon cœur. Après tout ce que j'ai fait pour elle et sa famille. Ah. Eboka, oh. Plus tu y penses, plus tu te fais du mal. Pourrais-tu penser à quelque chose de meilleur, comme être positif? D'accord? Cesse de penser à cette femme. Elle te tuera, tu mourras à force d'y penser. Le pire, c'est que tu ne peux pas changer les choses. Frangin, tiens ça, s'il te plaît. On doit tranquille. Frangin, s'il te plaît, vas-y. Eboka, c'est Tobé. Je te comprends, frère, et je partage ta peine. D'accord? Relax, frère. Frère, tu as la vie devant toi. Mec. Prends ça, s'il te plaît, Eboka. Ça va empirer mon état. Ok, Eboka. Ogochuku. Maman, où est-ce que tu vas? Maman, je dois me rendre au magasin. J'ai les affaires de cet client que je dois résoudre. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi Cathy n'est pas là depuis. Oh! Elle est venue l'autre jour et je lui ai demandé de ne plus le faire. Mais pourquoi, maman? À cause de ce qui s'est passé à la maison. Je veux dire, pas besoin que les gens soient au courant de ça. Tu vois, si elle apprenait ça, tout le monde là-dehors serait au courant. Écoute, je serais rentrée, mais j'ai décidé de rester pour te tenir compagnie durant cette période difficile. Tu es bien habillée pour le travail. Oui, maman, j'ai juste besoin de sortir pour pouvoir vider ma tête. Est-ce que tu as vu tes enfants ce matin? As-tu fait le petit-déj pour ton mari? Et ce petit bébé dans ton ventre, l'as-tu nourri? Je ne t'ai pas éduquée comme ça, tu le sais. Maman, je dois rencontrer des clients aujourd'hui. Des clients, des clients et des clients. Tes clients ne doivent pas être ta priorité. Ils passent au second plan. Ta loyauté doit d'abord être envers ta famille. Ah! Allons à l'intérieur. Don't get me wrong, don't you play with my destiny. Somebody tell me how to breathe, cause now I can breathe. Maman, je ne pense pas que cette discussion soit nécessaire.
parce qu'elle ne souhaite pas me voir. Oui, parce qu'à chaque fois que je te regarde, je t'imagine en train de coucher avec mon mari. Kosarashi, tu as couché avec mon mari. Regarde-moi. C'était sur ce canapé, sur celui-là, ou alors par terre, sur la salle à manger ou partout dans cette maison. Oh, attends, oh Dieu. Ou alors parce que tu es plus jeune et qu'il est plus expérimenté que toi. Vous l'avez fait en regardant des films à la télé, c'est ça? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Sur la table, j'imagine que tu le lui donnais par derrière. Kosarashi. Kosarashi, t'as couché avec mon mari! Mais j'ai dit que j'étais désolée. Je suis désolée. Que voudrais-tu que je fasse d'autre pour te faire comprendre que je suis désolée? Je voudrais que tu me dises exactement où vous l'avez fait. Où ça? Quoi? Kosarashi, le lieu exact où tu as couché avec mon mari. L'endroit exact où tu as baisé avec mon mari. Le lieu exact où tu as couché avec le père de mes enfants. Ton beau-frère. Le père de tes neveux et nièces. Assez. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais, j'y suis allée délicatement avec toi. Mais plus maintenant. Tu es trop dure avec toi-même. Et au cas où tu ne le saurais pas, je crois que tu devrais t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Oui. Je dois te dire la vérité parce que je suis ta mère. Si tu avais montré de l'attention à ton mari ce matin-là, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais non, tu as préféré tes clients à ton mari. Les sentiments d'un homme ne sont pas quelque chose qui se contrôle. S'il te demande, tu dois lui répondre. Parce que lorsque tu ne le fais pas, il se sent frustré. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et quand il descend les escaliers et que ta sœur est là, je te blâme vraiment pour tout ça. La seule chose que tu puisses faire au point où nous en sommes, c'est de leur pardonner. Ils t'ont montré qu'ils sont réellement désolés. Ils éprouvent beaucoup de remords. Essaye de leur pardonner. Écoute, je crois que tout le monde ici est à blâmer. Donc le plus tôt on se pardonne mutuellement, et le mieux c'est. Oh, Ogochuku, écoute. Ça va. Je sais que ça fait mal. Mais il est temps de pardonner. Tu as compris? C'est bon. C'est bon. Allô, maman. Kosara, reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me demande pas de revenir. Ne me le demande pas. Tu connais son état et tout ce qui arrive là l'affecte. C'était avant. Plus maintenant. J'espère que tu reviendras, s'il te plaît. J'espère te voir bientôt. Pardonne-moi. Maman, c'est mieux que je m'en aille. C'est mieux que je parte. Je ne peux pas rester avec elle dans la même maison. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas. Désolée.
Allô? Ouais. J'aimerais qu'on se voit. Dis-moi où tu veux. Ok, d'accord. Junior, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Je joue à un jeu dans le téléphone de tantine Kashi. Ah, elle t'a donné son téléphone? Oui, mais elle a un autre téléphone, maman. Ok, je vois. Quelqu'un a cassé ma tablette. Oh! Où ça? À l'école. Ah, vraiment désolée. Elle va la remplacer ou alors elle ne sera plus mon amie. Et Boubé, l'a-t-elle fait exprès? Non, maman. Ok, viens mon bébé, viens. Viens, je vais te parler. Assieds-toi. Quand quelqu'un gâte ta chose, tu dois vraiment lui pardonner. Surtout s'il ne l'a pas fait exprès. Tu as compris? Oui, maman. Elle t'a demandé pardon après l'avoir fait? Oui. Raison de plus pour lui pardonner. T'en fais pas, mon trésor. Papa t'en achètera une autre. Est-ce que tu l'aimes? Oui, maman. Tu lui as pardonné? Tu lui as pardonné? Ah. Oui. Super, ça, c'est mon fiston. Il n'est pas juste question ici de pardon. Mais comment oublier? Dis-moi, bébé. Depuis quand t'es dans cet état? Il y a de cela 2 jours. Quoi? 2 jours? Tu as vu un médecin? Non. Et qu'est-ce que t'attends pour le faire? Je ne sais pas. On y va, allez, debout. Debout. Allons voir un médecin, s'il te plaît. D'accord. Désolé. Merci. Désolé. Votre appel va être renvoyé. L'abonné que vous essayez de joindre est... Mais décroche! Allez, décroche! Veuillez patienter, votre appel va être renvoyé. Si je lui pardonne, qu'allons-nous dire au monde? Allons-nous avorter le bébé? Avorter le bébé? Ce n'est pas possible. C'est un péché contre Dieu.
tu devras accepter cet enfant comme le tien. Jamais. Jamais. Je recherche quelqu'un qui ressent la même chose que moi. Mais regarde-toi. Au milieu de toute cette pagaille, tu es si forte. Peux-tu s'il te plaît me dire comment tu te sens? Sachant très bien que ta petite sœur porte l'enfant de ton mari. J'ai juste envie de trouver un endroit où me vider la tête. Et je crois que tu dois en faire pareil. Si je te dis que je n'ai pas marre de tout ça, c'est que je mens. Surtout qu'à chaque fois que j'entre chez moi, j'ai toujours cette image de tous ces films qu'ils ont pu faire. J'ai envie de partir. De partir pour pouvoir me vider la tête. Mais ma mère m'empêche de le faire. Écoute-moi, tu devrais prendre une pause. Tu dois préserver ta vie. Et je suis là. Je suis là à ton service. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'allume plus. Pourquoi? La batterie est faible. La batterie est faible? Tu as oublié de la charger, c'est ça? Mais je suis certaine que tu te souviens des animaux là-dedans. Comme lequel? Le lion. Le lion! Tu sais, c'est le roi de la jungle. Waouh! Maman? Oui? T'as appelé Kashi? Oui, je l'ai appelée. Elle arrive, elle est en chemin. Mais elle doit revenir pour Eboubi et Isoma. Oui, je sais. Laisse-moi aller jeter un œil sur mes Soma. Nous l'avons laissé endormir. Allez, allons jeter un coup d'œil sur ta sœur. Oh mon Dieu, ce garçon est lourd. Oh, je suis épuisée. Allons à l'intérieur. Cède le passage. Tire-moi. Oh, merci, gentil garçon. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour tout. Je suis vraiment désolé. J'aimerais tant que tout redevienne comme avant. C'est horrible. J'ai perdu ma vie dans ça. Que vais-je faire maintenant? Je sais juste que si c'est la seule chose à faire pour retrouver ma sœur, je le ferai. Je dois le faire. Ça va aller. Ok. Ça va aller.
s'il te plaît, je suis vraiment, vraiment désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu dois me croire. D'accord? Ferme-la! Ferme-la! T'as pas fini? N'as-tu pas fini? Je te s'il te plaît. Déteste! Je te déteste! T'es un grand menteur! Je te déteste! Calme-toi, calme-toi! Bébé, bébé, s'il te plaît, calme-toi. Bébé! Bébé! S'il te plaît, ouvre le portail. Ouvre le portail. Maman, aide-moi, aide-moi. Non, 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 l'arrière, l'arrière. Allons-y, allons-y. Le portail, ouvre-moi le portail. Madame, elle ira bien. C'est exactement ça. Pour l'instant, elle a juste besoin de beaucoup de repos. Juste ça. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de stress. Et Dieu merci, votre femme et votre bébé se portent bien. Tout ira bien. D'accord. D'accord. Je reviens tout de suite. Ok. Maman, le plus douloureux dans la trahison, c'est qu'elle ne vient généralement pas de nos ennemis. Elle vient de ceux en qui nous avons confiance. Elle vient de nos êtres chers, des personnes que nous aimons vraiment. Œil pour œil, rendra ton entourage aveugle. En d'autres termes, il n'y aura pas d'amour.
La seule chose que tu puisses faire pour toi-même et ceux qui sont impliqués, c'est de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne trouveras jamais, plus jamais la paix. Je vais te dire, l'amour que j'ai pour cette fille se transforme en reine. Pour la moindre petite chose qu'elle a bien pu me faire subir, j'ai le sentiment qu'il faudrait que je la fasse payer pour ça. Bien. Frère, écoute. Quand les gens sont blessés, ils éprouvent de la haine et veulent prendre leur revanche. Mais quand tu prends ta vengeance pour de la justice, la vengeance accentue encore plus au détriment de la paix. Tu m'entends? Mec, écoute, c'est plus facile de dire qu'à faire. Eboka, je te l'ai déjà dit plus d'une fois, laisse partir ce que tu ne peux changer. Pardonne, oublie et avance. La vie est trop courte pour vivre autrement qu'heureux. Frangin, je dois partir. I fell in love with you the first time that I met you. J'avais tout. Une vie parfaite. Une famille parfaite. J'avais une vie parfaite. Et voilà que tout a basculé à cause d'un petit moment de plaisir. Et que je n'avais pas planifié, que je ne comprends toujours pas. Ma chère sœur, je suis désolée pour toutes les fois où j'étais blessée. Je suis désolée pour toutes les fois où j'ai fait couler des larmes sur ton joli visage. Je sais que mes excuses ne valent rien à tes yeux en ce moment. Je promets d'être une meilleure personne dans ma prochaine vie. Sur ce, adieu. Nous ne l'avons pas fermé. Kosara. 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 Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, Kosara. Kosara. Kosara, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Appelle un médecin, s'il te plaît, appelle un médecin. Kosara. Kosara. Appelle un médecin. Kosara. Qu'est-ce que tu as fait? Je te pardonne, s'il te plaît, réveille-toi. Kosara, Kosara, appelle la médecin, s'il te plaît. Oh mon Dieu, debout, je t'en prie. Maman, elle ira bien, elle ira bien. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Kosara, parle-moi. Non, oh mon Dieu.